une somme de 11 650 000 dollars, 3 millions 6 milliards de francs pour ce projet. Je veux bien aussi vous saluer la présence parmi nous d'une mission conjointe du gouvernement camerounais dans le cadre de la définition du mécanisme du démarrage du projet. Dans le domaine de l'environnement, nous comptons sur le CAPEN une fois de plus pour poursuivre le travail entrepris dans le sens de stopper l'avance du GFR. Pour ce qui est, mesdames, messieurs, la société de conseillerie alimentaire pour nous, et les négociations à cet égard sont fort avancées et dispensées. Une solution viable et en voie d'être trouvée à travers les champs. La SCAN, vous en doutez bien, si elle venait à fonctionner de nouveau, constituerait à coup sûr un encouragement et un grand espoir aux paysans qui s'adonnent aujourd'hui à l'agriculture tomate. Cette structure qui pourrait à la longue libérer et se substituer ainsi au café, par exemple. Quand on connaît la capacité d'absorption de la famille en matière de tomates, près de 350 tonnes par jour. Quant à l'élevage, les efforts importants et violents sont à faire pour nous rattraper. Même si l'élevage du grand bétail n'entre pas dans nos mœurs, c'est du petit bétail et de la volaille est largement à notre portée. L'exemple des jeunes promoteurs de fermes agricoles nous doit absolument faire tâche d'huile. En ce qui concerne la pêche, qui semble être devenue l'affaire des gens venus d'ailleurs, j'exhorte les populations de nous à s'y lancer fortement, non seulement dans la pratique de la pêche, mais aussi dans le traitement de la province. Nos sites géographiques, naturels ou historiques, notre hospitalité légendaire. S'ils étaient bien exploités, serait de l'activité politique une véritable mine d'or pour nous. C'est le mieux pour moi ici de louer et féliciter les efforts de ceux qui ont déjà mis en place des structures d'accueil qui font la fierté de notre département. J'invite les autres à les emboîter le pas. Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, la ville de Fumbal mériterait pleinement son nom de cité des arts lorsque son institut universitaire des beaux-arts, créé il y a 5 ans de cela, aura ouvert ses portes. Je lance que la ville de Fumbal connaît depuis un certain temps une insuffisance en qualité d'eau potable. Pour la population. Or, nous savons très bien que l'eau, c'est la vie. Soucieux du tableau que vous vivez, nous avons pris contact avec la Société nationale des eaux du Cameroun pour qu'une solution soit trouvée à ce problème. Fort heureusement, monsieur l'administrateur provisoire de la SNEC, préoccupé aussi par ce phénomène, avait déjà ordonné une étude pour la réhabilitation des équipements obsolètes de l'usine de production de logements qui date des années 1950. Cette étude s'est achevée il y a 3 semaines et la pédos sera lancée dans les mois. Il y a donc espoir que bientôt les membres d'eau dans la ville de Fumbal deviennent un souvenir lointain. Par ailleurs, il m'est revenu à ma grande surprise qu'en Fumbal, 700 abonnés ou 400 abonnés sont suspendus de fourniture d'eau ou facture impayée. C'est pourquoi nous avons obtenu la SNEF d'accorder l'angle facilité à ces abonnés de Fumbal et Fumbal pour leur permettre d'avoir à nouveau accès à l'eau potable. Concerné
pourrons donc se rendre à la suite pour des arrangements à l'amiable. D'avance, je remercie la tête pour cette marque de compréhension. Excellences, mesdames, messieurs, nous avons mis notre énergie et toute notre volonté à vous satisfaire. Mais vous savez comme moi que la perfection n'est pas chose humaine. J'implore donc, une fois de plus, votre indulgence en comptant, en tout cas, sur votre amitié, pour régler au second plan des manquements et autres défaillances, comme celle que nous avons dit tout à l'heure. Par exemple, nous aurons émaillé votre séjour parmi nous. Je compte beaucoup sur votre indulgence. Qu'il me soit permis d'adresser des chaleurs de paternité. Félicitations d'abord à ce Dieu fils nous, qui nous a gracieusement offert le chef de tribune que voilà. Je veux dire le prince Njoya pendant 16 ans qui réside aux États-Unis. Amen. Ensuite, au nom du Comité national d'organisation et à tous ceux qui de près ou de loin ont pris part active dans la conception et la réalisation de ce qui a été suivi dans le cadre de Ngouon 2004. À toutes les populations du monde en général et à tous les Bamoun du Kenya et de la diaspora en particulier, qui ont mis des petits plats dans les vents pour rendre le symbole inévitable et pour vivre une part de leur histoire en renouant le temps de week-end avec leurs ancêtres. Aux élites des forces vives de nous, ils ont déménagé pour assurer le succès du Ngouon. Les Ngouon tout à l'heure m'ont exigé une amende pour n'avoir pas observé les règles ou du mieux à la matière de l'annonce de la reine mère. J'ai accepté cette amende. Et je leur ai annoncé que je la payerai par 12 bœufs qui viendront chercher à la fin de la cérémonie. Mes remerciements également aux journalistes, sans lesquels l'information n'aura pas circulé et ce cérémonie aurait certainement manqué du sel. Aux divers sponsors et amis, sans lesquels rien ne peut se faire pour aujourd'hui. Aux amis et fils et filles de nous, venus de l'étranger et de partout au Cameroun assister à ce grand forum que nous venons de recevoir. Je présente les marques de la respectueuse considération de le Bamoun et ma profonde gratitude à leur majesté venue me témoigner leur fraternelle assistance. Cela nous vous remercie de tout cœur. Excellences, mesdames, messieurs, le peuple Bamoun qui apprécie l'honneur que vous nous faites de sacrifier ce temps précieux de votre ambassade au Ngouon 2004, vous pouvez nous trouver ici l'expression de ces remerciements et de la profonde gratitude. Nous vous prions, monsieur le gouverneur, de bien vouloir transmettre à son excellence, M. Paul Biya, président de la République, l'expression et la différence de profonde gratitude du peuple Bamoun et des populations du monde. Ainsi que nos chaleureuses et respectueuses invitations et nous pour sa brillante réélection le 11 octobre dernier. Heureux d'avoir certainement satisfait votre curiosité et votre soif de partage, que nous en disons à chacun et à tous. Un bon retour et vous donne rendez-vous au moins de messieurs si prédatifs. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, au moment donc où les lampions vont s'éteindre sur le Ngouon 2004,
que nos regards vont désormais se tourner vers l'édition 2006. Je demande une fois de plus au peuple Bamoun de cesser de rêver et de voir les réalités en face. Ces réalités, je le sais, sont parfois dures et cruelles. Cessons de jouer avec la vérité. Aussi, mettons-nous en garde ceux-là même qui profitent de la naïveté et de la crédulité de nos masses innocentes pour les pousser vers des rêves irréels et dangereux. Nous le rappelons une fois de ne point oublier, que l'histoire est parfois déçue et son jugement implacable et impitoyable. Il lui arrive parfois même de déterrer ses morts pour leur demander des comptes. Je vous remercie de votre l'hôpital du palais, lieu de l'assemblement de Bétouan. Nous avons charmé le professeur par la Réaïenne pour Chirona. Nous avons la PC, délégation de l'Europe pour Chibolina. Et nous avons mangé la suite à Méchir. Nous avons mangé la suite à la Réaïenne pour Chirona. Moi, je me suis rencontré que c'est le rapport du ministre de la Santé. Voilà un peu la pire, le plan de la vie. La belle est une femme, dans la machine.
我们一生一定会照顾人家是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 我
C'est bon. C'est pas n'importe quoi.
Oh,
Chris by his friends launched on the club and another group which is called Pandaman, or in other words, the headdress resemble that of a bird. The passage. There are three women. They are dressed like we used to do. The women used to dress in the old days. Even the headdress. You can see the style. You can see that we agree. Look at the women. Welcome. Please welcome.
fondement de la banque, le mouvement de la dynastie. 1894, 1897. 1897, 1838. Nous avons le présent du Kirga, dans ce groupe,